Et donc, coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo remplissage semaine 1 du mois de décembre. Et du coup on va mettre pas mal de sous dans les classeurs en cette première semaine. De toute façon je remplis toujours mes épargnes en début de mois, ça vous le savez, ce n'est pas un secret. D'ailleurs regardez ce que j'ai acheté un truc pour mettre les billets dedans pour que ce soit plus simple, pour que je voie. Et comme ça je trouvais ça plus stylé en vidéo également. D'ailleurs excusez-moi s'il y a une zone d'ombre aussi ici hein, c'est parce que bah vu que j'ai ouvert les portes-fenêtres pour avoir plus de lumière, il y a quand même un coin d'ombre. Bon, tant pis. D'ailleurs excusez-moi par avance si vous entendez des bruits de l'extérieur, encore une fois c'est parce que ma fenêtre est ouverte, mais voilà, je préfère avoir une fenêtre ouverte et avoir une bonne luminosité qu'avoir les fenêtres fermées et avoir une luminosité pourri. Voilà. Également, j'ai des nouveaux petits articles qui vont être disponibles ou qui sont d'ailleurs disponibles dès maintenant sur ma boutique. Alors tout d'abord, il y a des petits trackers papier comme ceci par lot de 6, voilà, que je vends désormais sur la boutique. Alors les couleurs, malheureusement, vous ne pourrez pas choisir parce que je reçois des lots avec des coloris très différents. Et du coup, voilà, ça sera un peu ce que j'ai. Mais les trackers sont juste top. Moi, j'utilisais ça au départ et franchement, c'est juste génial. Et ensuite, je propose également des petites pochettes comme ça pour les cartes. Je sais que ça peut être extrêmement utile. Moi je vais en mettre un dans mes prochains classeurs puisque oui, vous savez que je suis en train de refaire tous mes classeurs pour le début d'année 2023 et je pense en utiliser un ou deux pour mes classeurs parce que franchement c'est juste génial. Alors par contre il n'y a qu'une seule face où du coup vous pouvez mettre, mais vous pouvez les mettre, vous savez, une carte de ce côté là et une autre carte de l'autre côté ici en les passant par le même trou. Voilà, en soi vous pouvez mettre quand même 6 cartes. Donc voilà, tout ça est disponible sur ma boutique, donc n'hésitez pas, le lien est dans ma barre de description. Maintenant concernant le rang remplissage, je voulais vous montrer ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une enveloppe avec des sous dedans et du coup il y a 300 euros dedans. Et ces 300 euros ils concernent quoi et ils viennent d'où? Et bien tout simplement, lors du budget mensuel je vous avais dit que je mettrais 800 euros pour le matériel de la boutique. Et bien j'ai mis 500 sur ma carte Boursorama qui est dédiée à ma boutique et j'ai retiré 300 euros. Et ces 300 euros c'est pour payer les timbres à la poste puisque j'ai décidé de ne plus payer des timbres par avance sur internet mais de payer au gramme près à la poste. D'ailleurs je vais aller me faire une carte pro de la poste parce que j'ai reçu un mail en fait quand je me suis inscrite sur la poste pro, enfin pas un mail pardon, un courrier en me disant vous avez accès à la carte pro, veuillez vous enregistrer nanana, dans un bureau de poste. Et du coup voilà, faut que j'aille à la poste tout simplement, enfin en tout cas à une poste qui fait les cartes pro puisque la poste qui est juste à côté de chez mes parents ne le fait pas. Du coup faut que je descende un peu plus bas en ville et voilà, du coup je ferai ma carte pro pour avoir accès au prix professionnel pour payer également au gramme à la poste quand j'y vais, puisque ça revient beaucoup moins cher de payer au gramme que de payer des timbres et de perdre des grammes sur les timbres, clairement. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une petite enveloppe comme ça. Et du coup à l'intérieur il y a mes factures de la poste avec les suivis que j'ai envoyés. Là c'est un petit guide pour ma maman puisque c'est ma maman qui va déposer les lettres à la poste le matin puisqu'elle va à la boucherie ou à Spar généralement le matin. Du coup elle me dépose mes colis en même temps. Et voilà, après j'ai mis les 300 euros dedans. Il y a déjà une partie qui a été utilisée forcément puisque j'ai des commandes à envoyer, mais voilà, je voulais vous faire un petit résumé. Et plus tard cette enveloppe toute pourrie deviendra une enveloppe zip vraiment dédiée à la boutique, mais encore une fois ça sera dans mon nouveau classeur. Voilà, je vais pas faire ça maintenant dans l'ancien alors que je vais changer de classeur. Voilà, bon cette introduction aura été super longue mais on va commencer tout de suite la vidéo et on va commencer avec le classeur bleu comme d'habitude qui est le classeur à la semaine, au mois et aux épargnes pour voir ce qui me reste de la semaine dernière. Allez, on ouvre le classeur et on va voir tout ça. Alors j'ai tout effacé, c'est pour ça qu'il y a des petits bouts de gomme parce que j'ai effacé avec la gomme, donc j'ai tout effacé les trackers pour le début du mois de décembre. Donc comme d'habitude, bon ici c'est le reste des sous pour le mois. Et du coup on commence avec les enveloppes à la semaine. Donc alimentation, vous saviez que il n'y avait plus rien, ça c'est pas nouveau. Concernant plaisir et concernant divers, puisque ces deux catégories ont servi à la même chose, je suis allée à Spar et du coup j'ai dépensé tous les sous de plaisir et une partie des sous de divers. Il reste quand même 5 euros dedans, voilà, qu'on va venir mettre hop juste ici. Je vais peut-être décaler, ça prend de la place quand même ce truc habillé. Remarque, on peut même les mettre là, les économies en fait, on va les mettre ici. Allez, concernant imprévu, du coup ça n'a pas bougé, hop il reste toujours 20 euros, j'ai juste échangé contre deux billets de 10 puisqu'il me semblait que c'était un billet de 20 si je me trompe pas, ou sinon j'ai rien échangé, je sais plus, je perds la boule, ça y est, c'est pas très grave. Concernant au mois, du coup santé, ça n'a pas bougé et ça, ça ira dans l'épargne santé et ça c'est franchement ultra cool. Concernant la monnaie, ah mince il me manque mon enveloppe monnaie, je vais aller la chercher tout de suite, elle est dans mon sac. Là voilà, la pauvre elle subit à mort cette enveloppe monnaie vu que je la trimballe de partout avec moi dans mon
mon sac tout le temps. Vous voyez, le stickers, il a trop subi. Mais bon, c'est pas grave. Il nous reste quand même un peu de monnaie. Et il nous reste 1,30€. Écoutez, c'est déjà pas trop mal. C'est déjà ça. On va venir les mettre sur le côté. Et on va venir compter tout ce qu'on a en économie qu'on a pu faire cette semaine. Alors, on a 45€ plus 1,30€. Ce qui fait 46,30€ d'économie. Et franchement, c'est juste ultra cool. Je sais pas du tout où je vais venir mettre ces sous. Bon, à part les 20€ puisque ça va directement dans l'épargne santé. Mais c'est vrai que les 26,30€ qui restent, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Je suis venue me munir de mon Sharpie. Alors la date qu'on est aujourd'hui, franchement, je sais pas. Du coup, je vais marquer 12 puisqu'on est le 12e mois de l'année. Voilà, on est en décembre. Parce que à vrai dire, je sais même pas quelle date on est. Je crois on est le 7, mais je suis pas sûre. Je vais marquer 12 comme ça. Voilà, ça répartit tout le mois de décembre. En essence, du coup, ce mois-ci, bah, j'ai comme tous les autres mois, hein, on l'avait vu dans le budget mensuel ensemble, j'ai 120€ qui n'ont pas encore été utilisés, mais qui vont pas tarder à l'être puisque il me reste que 2 barres dans ma voiture, donc je vais pas tarder à lui mettre de l'essence. Voilà. Ah, il me semble que, mince, j'ai mis au mauvais endroit monnaie, ça va juste après. Hop, cette case-ci. Voilà, là elle est au bon endroit. Concernant la carte bancaire, on a dit du coup dans le budget mensuel qu'il y a un reste de 177€. Hop. Alors j'ai déjà utilisé un petit peu, mais je viendrai le noter la semaine prochaine parce que c'est pas encore passé sur mon compte. C'est pour un classeur budget pour mon copain, parce que tout simplement il veut que je lui fasse un classeur budget et je l'ai passé sur ma carte bancaire personnelle et non sur la boutique, vu que c'est quelque chose de plus personnel. C'est plus un cadeau en fait, c'est son cadeau de Noël concrètement. Et du coup faudra que je vienne le noter quand ben, ça sera inscrit sur mon compte bancaire pour ne vraiment pas me tromper au niveau du montant. Voilà. Du coup, ben, c'est bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Et concernant les épargnes, ben, écoutez, il me semble que ça a pas bougé, hein. Il me semble non. Hop, dépôt. Ouais, il me semble que rien n'a bougé, hein, de la dernière fois. Non, c'est bon, il y a bien tout. Oula, faudrait que je vienne effacer là parce que ça a bien transféré de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on va venir se munir du classeur défi pour ranger les petites économies. Ah non, j'allais oublier, il faut ranger les 20€ dans santé. Hop, je vais le faire tout de suite. Oh, regardez, d'ailleurs, j'ai un billet de 100. Bon, il va pas rester longtemps, c'est mon copain qui m'a demandé de le garder. Mais regardez, j'ai un billet de 100, c'est pas trop génial? Moi j'adore, ils sont trop beaux les billets de 100, les billets de 200, les billets de 500, malheureusement j'en ai pas, mais j'en ai qu'un seul 200, c'est déjà pas trop mal. Donc le 12, dépôt. Et du coup on va venir mettre les 20€ et on est... Ah mince, je l'ai inscrit sur voiture, le billet de 100 m'a tellement absorbé que je me suis trompée. Je vais effacer, comme ça je vous montre que la gomme ça marche vraiment bien pour effacer le Sharpie et les stylos permanents. Regardez-moi ça, ça marche trop bien, vous avez juste besoin d'une gomme les gars. Vous avez même pas besoin de gel hydroalcoolique, je trouve que le gel hydroalcoolique marche encore moins que la gomme. Moi maintenant je fonctionne à la gomme, c'est une abonnée qui m'en a parlé par commentaire et franchement c'est juste génial. Donc dépôt, on revient sur l'enveloppe santé parce que là je me perds. 20€ et du coup on est à 90€ pour la santé. Si jamais il m'arrive un petit souci, c'est ultra cool. J'ai quand même des sous de côté pour la santé et c'est vraiment quelque chose de primordial selon moi. Voilà, maintenant mon stylo vient de tomber. Maintenant on peut passer au classeur défi. Hop, il est juste ici et on va venir voir où on va répartir cet argent. Alors déjà je pense que je vais remplir le challenge pleine lune parce que bah, concrètement il faut qu'il soit fini pour le mois de décembre puisque je vais utiliser une partie du challenge pour les cadeaux de Noël, donc il faut impérativement qu'il soit fini. Donc je vais déjà venir mettre 20€ ou 25, je sais pas si je mettrai même pas la totalité en fait. Bah écoutez, je vais venir mettre la totalité, donc c'est à dire pas les centimes mais au moins la pièce de 1, les centimes je les mettrai dans le défi des centimes. Je vais déjà venir mettre 26€, voilà, comme ça au moins ça avance. Hop, je vais venir le noter juste derrière. Dépôt, et on a mis du coup 26€, donc 266. Oui c'est ça, je bug, mais oui c'est ça, 266. Hop, et on va venir prendre du coup l'enveloppe, alors je vais le semi-barrer. Il restera du coup, si mes calculs sont bons, 23€. Il me semble que c'est ça, hein, 26... plus 3, 29, plus 20, 49. Donc ouais, c'est bon, c'est ça. Il restera 23€ à mettre dans le challenge pleine lune. Et après, on pourra tout retirer pour épargner ses sous là où on veut. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, il reste 30 petits centimes qu'on va venir mettre dans le défi des centimes. D'ailleurs, dès que je reviens chez mon copain, je vais prendre la clé. Et je vous ferai un réel de toutes les pièces qu'il y a là-dedans pour les transférer en billets. Parce que il doit en avoir vachement, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment super lourd. Alors, 30 centimes, il est pas pris. Hop, on va le cocher juste ici. Et on va remettre du coup le défi dans son enveloppe. Et venir mettre les petites pièces. Hop, vous voyez pas,
mais dans la petite boîte. Voilà. Concernant les défis, on a fini. Je vais venir reprendre mon classeur avec les épargnes pour venir mettre toutes les épargnes du début du mois avec vous tout de suite. Et après on passera au remplissage à la semaine des enveloppes. Alors je me remunis de ce classeur et on va faire ça tranquillement ensemble. Alors toc 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 toc. Concernant déjà Tango, je vais venir mettre 50 euros dans cette épargne, voilà, pour la renflouer un peu. Il nous restait 15 euros, et bien là on sera à 65 euros pour mon toutou, voilà, comme ça au moins pour ses croquettes je suis tranquille, je n'ai pas à me stresser par rapport à ça, j'ai les sous de côté. Concernant la voiture, je vais venir mettre 30 euros dans cette case, hop, ce qui fait qu'on est à 240 euros. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas tous les billets dans ce classeur puisque je les mets à un autre endroit aussi, voilà, je mets pas la totalité de mes sous au même endroit parce que ça me fait un peu flipper. C'est pour ça que vous voyez là par exemple il n'y a que 110 euros parce qu'il y a 100 euros qui sont autre part, mais il y a bien 210 euros pour cette épargne. Voilà, je le reprécise, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais bon, on sait jamais, je le répète. La santé, on a mis déjà dedans avec les sous qu'on n'avait pas utilisé de ce mois-ci. Concernant maison, je vais rien venir mettre dedans, c'est pas utile. Concernant futur achat immobilier, je vais venir mettre 20 euros up dans cette case pour forcément mettre un peu plus, voilà, pour l'achat immobilier. Hop, dépôt 20, et du coup on est à 260 euros pour cette épargne. Concernant fête, je vais rien venir mettre, voilà, il y a 60 euros, c'est largement suffisant. Concernant imprévu, là je vais venir mettre 20 euros, voilà, j'ai besoin quand même d'avoir des sous dans cette case, on sait jamais, c'est là où je pioche en fait quand j'ai vraiment plus rien. Du coup pour moi cette case elle est vraiment vraiment utile. Donc dépôt, on vient de mettre 20 euros et du coup on est à 40 euros. Et concernant la retraite, comme un peu tous les mois, je vais mettre 80 euros dans cette enveloppe, donc 2, 4, 6 et 8. Hop, ma retraite elle avance super bien, je suis grave contente. Et du coup je suis à 380 euros pour ma retraite. Hop, si je mets à peu près 80 euros tous les mois, je suis à plus, il me semble, de 1000 euros par an d'économiser pour ma retraite, et c'est déjà pas trop mal je trouve. Franchement je suis grave contente de moi. Hop, voilà. Maintenant qu'on a rempli les épargnes, il va falloir remplir avec le reste des sous les enveloppes à la semaine forcément. Donc déjà alimentation, je vais venir mettre 100 euros. Hop, donc 2, 4, 6, 8 et 10. Toc, voilà. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'acheter de l'alimentaire, j'aurai. Alors budget 100 euros, première semaine 100 euros demi. Concernant plaisir, rappelez-vous, j'ai augmenté un peu le montant et je mets 30 euros toutes les semaines. Ça veut dire qu'on est à 120 euros de budget pour ce mois-ci concernant plaisir, et la première semaine on a mis 30 euros. D'hiver ça n'a pas bougé, il y a up 10 euros, 40 le budget par semaine et on a mis 10 euros la semaine 1. Imprévu, on va venir mettre 20 euros comme d'habitude, toc, et du coup on a 80 euros de budget par mois et 20 euros la première semaine, et les derniers 20 euros vont aller dans la case santé. Et voilà, là j'ai pas enlevé, mais le budget est de 20 euros et on a mis 20 euros la première semaine. Voilà. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, les nouveaux articles sont disponibles sur ma boutique. Le lien est dans ma description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Sûrement à ce week-end. Sinon, à mercredi prochain pour le remplissage de la semaine 2. Voilà. Gros bisous tout le monde.